Merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Inauguration par son altesse royale, la princesse Lalla Hasna, au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat, de l'exposition Les couleurs de l'impressionnisme, chef-d'œuvre des collections du musée d'Orsay. Une exposition placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du président de la République française Emmanuel Macron. Nous irons à Meknès où les préparatifs battent leur plein à une semaine du Salon international de l'agriculture. La 14e édition du SIAM accueille la Suisse comme pays à l'honneur. 1500 exposants devraient y participer. Il regagne la mère patrie, le cœur rempli de joie et de fierté. Les membres de l'équipe marocaine qui s'est distinguée avec brio en remportant la médaille d'or lors de la 27e édition des Olympiades panafricaines des mathématiques. Victoire arrachée au Cap en Afrique du Sud. Bonsoir, son altesse royale, la princesse Lalla Hasna a présidé cet après-midi au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat l'inauguration de l'exposition « Les couleurs de l'impressionnisme, chef-d'œuvre des collections du musée d'Orsay », une exposition placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du président de la République française Emmanuel Macron. Abdelali Ayad, Hamza Sayeh, Zakia Belkhas et Mohamed Hitchkar. Un événement sans précédent en Afrique et dans le monde arabe, inauguré aujourd'hui par son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Une exposition événement, une splendide sélection de chefs-d'œuvre impressionnistes issus des collections du musée d'Orsay. Renoir, Pissarro, Monet et d'autres grands maîtres impressionnistes, soit la plus grande collection de peintures impressionnistes au monde, mise en valeur également avec des œuvres, notamment d'Eugène Delacroix. C'est extraordinaire parce que c'est un véritable retour aux sources car les impressionnistes se sont nourris de Delacroix. Delacroix était le meilleur, le plus bel ambassadeur du Maroc et de sa lumière au monde. À cette occasion, son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a suivi une présentation des œuvres par Sabine Cazenave, co-commissaire de l'exposition et conservatrice peinture au musée d'Orsay, et par Paul Perrin, co-commissaire de l'exposition, également conservateur peinture au musée d'Orsay. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a effectué par la suite une tournée à travers les différentes parties de cette exposition. L'exposition invite à une immersion dans l'une des époques les plus fascinantes de l'histoire de l'art. Une époque de transition entre la peinture dite académique occidentale et la peinture moderne qui invente de nouvelles couleurs. Une époque très particulière qui est celle du milieu du 19e siècle, à un moment où s'invente l'art moderne. Et en fait, cette exposition raconte l'histoire de l'impressionnisme qui est un des moments clés de cette naissance de l'art moderne. Un moment où les peintres vont sortir de l'atelier, vont peindre en plein air, vont éclaircir leur palette, vont découvrir l'étude de la lumière, du mouvement et vont peindre aussi d'une façon complètement nouvelle des sujets aussi nouveaux comme par exemple un pont de chemin de fer dans la campagne. Donc un élément très moderne dans un élément très traditionnel. Bon, c'est ça, la démocratisation de l'art. Et je peux vous dire une chose, je voudrais vous dire combien on ne sera jamais reconnaissant à Sa Majesté le Roi d'avoir montré ce chemin de la culture, de la lumière. Car c'est par la lumière que nous avancerons. Par la suite, le catalogue de cette exposition a été remis à Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, par Sabine Cazenave et Paul Perrin. Un timbre commémoratif de l'exposition a été également remis à Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, par le directeur général de Bari de Maghrib, Amin Beljelloun Touimi. Et par la même occasion, deux catalogues des expositions en cours au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain ont été également remis à Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, par le directeur du musée Abdelaziz Idrissi, la conservatrice adjointe Hind El-Ayoubi et la chargée de la médiation culturelle au musée Houda Sabi. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a ensuite été saluée par les artistes présents avant de poser pour une photo souvenir. L'exposition de dizaines d'œuvres d'art se visite à travers des sous-thématiques liées à la couleur, une sorte de chronologie chromatique,
dans laquelle la couleur impressionniste ressort moins comme le résultat d'une impression naïve que comme le fruit de choix et d'intentions variées. Cette manifestation d'envergure se tient donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 août prochain. En exécution des hautes instructions royales, Abdeltef Loudi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, a reçu aujourd'hui à Rabat Angel Olivares Ramirez, secrétaire d'État espagnol à la défense, qui effectue une visite de travail de 2 jours au Maroc, accompagné d'une importante délégation, indique un communiqué de l'administration de la défense nationale. À l'occasion de leurs entretiens, les responsables des deux parties se sont félicités des excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux royaumes grâce à l'impulsion et au rapport excellent liant Sa Majesté le Roi Mohamed VI et Sa Majesté le Roi Philippe VI. Les deux parties ont par ailleurs mis en exergue la dynamisation de la coopération bilatérale en matière de défense et les résultats satisfaisants enregistrés dans la lutte contre le terrorisme et la gestion de la crise migratoire. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message à l'émir de l'État du Koweït, Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Le message royal a été transmis par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, lors de l'audience que lui a accordé le vice-émir du prince héritier du Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, aujourd'hui au palais Saif au Koweït. Koweït, justement, qui a abrité les travaux de la 9e session de la commission mixte maroco-koweïtienne, l'occasion pour l'État du Koweït de mettre en exergue le rôle de premier plan que joue Sa Majesté le Roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds pour la défense de la ville sainte et la préservation de son identité civilisationnelle et en tant que centre de la tolérance et de coexistence entre les trois religions monothéistes. Le Koweït a également réitéré à cette occasion son soutien à l'unité territoriale du royaume et au plan d'autonomie proposé par le royaume comme base de toute solution pacifique aux différents autour de la question du Sahara marocain. Les travaux de cette session de la commission mixte ont été couronnés par la signature de 5 accords de coopération bilatérale. Le peuple marocain commémore ce mardi le 72e anniversaire de la visite historique à Tanger du père de la nation, feu Sa Majesté Mohamed V, et le 63e anniversaire de la glorieuse visite du souverain à Tétouan. La visite royale à Tanger avait marqué un tournant décisif dans le combat du Maroc pour la revendication de son indépendance, le recouvrement de sa souveraineté et la consécration de l'unité de la nation. Le 9 avril 1947, le libérateur de la nation s'était rendu à bord du train royal de la ville de Rabat vers Tanger en passant par Souq l'Arba, Qasr el-Kbir et Assela, où un accueil grandiose au milieu d'une foule impressionnante avait été consacré au regretté souverain. Cette merveilleuse image avait brisé les obstacles semés par les autorités coloniales, témoignant de la puissante symbiose ayant toujours uni le glorieux trône alaouite et le peuple marocain. Le Mozambique est déterminé à donner une impulsion à ses relations avec le Maroc, notamment dans le domaine économique. La déclaration émane du chef de la diplomatie mozambicaine. Il s'exprimait lors d'un entretien avec une délégation de la CGEM. Le ministre mozambicain des Affaires étrangères a également relevé que le prochain sommet économique Afrique-États-Unis qu'abritera son pays sera une excellente occasion pour discuter justement des questions bilatérales. Ibrahima Faq et Sarah Ketir. Donner une impulsion aux relations économiques entre le Maroc et le Mozambique était à l'ordre du jour de la rencontre aujourd'hui du ministre mozambicain des Affaires étrangères et de la coopération, José Kundunga Pacheco, et le président de la CGEM, Salahdin Zouer. Les deux parties ont mis en relief les potentialités économiques du Maroc et du Mozambique et énuméré les principaux domaines où les deux pays envisagent de renforcer leur coopération. Cette rencontre a permis d'exposer les priorités. Elle a été l'occasion pour nous
pour évoquer les opportunités d'investissement et le contexte économique au Mozambique, ainsi que l'importance de construire des relations économiques solides entre les deux pays. Nous sommes déterminés à aller de l'avant dans la coopération bilatérale avec le Maroc. Notre pays, le Mozambique, regorge de ressources naturelles et nous appelons les hommes d'affaires marocains à saisir les opportunités d'investissement dans notre pays. Et c'est lors de cette rencontre qu'une visite dans les prochains mois d'une délégation d'hommes d'affaires marocains au Mozambique a été annoncée. Une visite lors de laquelle les patronats des deux pays signeront un accord de coopération et mettront au point un plan commun de travail. La 14e édition du Salon international de l'agriculture se tiendra du 16 au 21 de ce mois-ci à Meknès. Organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la 14e édition du SIAM accueille la Suisse comme pays à l'honneur. Cette grande messe agricole compte parmi les plus grands événements dédiés au secteur agricole en Afrique. 1500 exposants représentant 60 pays devraient y prendre part. Les préparatifs battent leur plein à J-7 de ce salon. Boubkar Ben Rabret. Il compte parmi les plus grands événements d'Afrique dédiés à l'agriculture et aux acteurs du secteur agricole. Le SIAM 2019 est organisé cette année autour de 10 pôles. 300 conférences seront tenues sur les différentes thématiques liées à l'actualité agricole. Un événement organisé sous le thème « L'agriculture, levier d'emploi et avenir du monde rural ». Il y a 1500 exposants, 62 pays. La Suisse est le pays est à l'honneur. Nous sommes ravis de cette présence et je pense que tous les ingrédients sont là pour que cet événement qui est sous le haut patronage de Sa Majesté puisse avoir la réussite nécessaire. Et il est inscrit également dans le cadre de la problématique de l'emploi, l'employabilité des jeunes. La Suisse est le pays à l'honneur de cette 14e édition. L'innovation sera ainsi au cœur de la participation des entreprises suisses. Le SIAM 2019 s'ouvre davantage à l'international. Sur l'ensemble des 10 pôles du salon, où nous attendons 1500 exposants cette année, 1500 exposants dont à peu près 500 qui sont du pôle international. Le pôle international que nous avons dû repositionner avec qui va être beaucoup plus grand que ce que l'année dernière, et ainsi que le pôle des produits du terroir où nous attendons 340 associations et coopératives. Le SIAM 2019, c'est 185 000 mètres carrés, dont 95 000 mètres carrés couverts. 1 million de visiteurs sont attendus cette année. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir plusieurs animations organisées au salon, comme les concours des différentes races au pôle élevage. Le Maroc ne ménage aucun effort pour lutter contre les crimes financiers, notamment le blanchiment d'argent. Et afin d'améliorer justement l'environnement législatif et de consolider l'efficacité des lois en vigueur, un atelier est organisé aujourd'hui et demain sur la question. Atelier organisé en partenariat avec l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Les détails tout de suite avec José Luis Herrero, chef du bureau du Conseil de l'Europe à Rabat. Écoutons-le. Il s'agit encore d'une autre occasion de coopération entre le Conseil de l'Europe et le ministère public marocain, qui témoigne de l'intérêt et de l'effort du ministère public pour la formation de ses procureurs et magistrats. Pour le Conseil de l'Europe, c'est toujours une motivation de voir que les instruments que le Conseil met à disposition du Maroc dans le cadre de notre partenariat de voisinage sont mis à profit. Dans ce cas, nous traitons d'un crime important, c'est les crimes financiers qui font tellement mal à une société, qui ont un impact dans l'investissement général, dans le climat économique, dans le développement du pays, dans le climat politique. Donc il est important que le Maroc lutte contre ces crimes de façon efficace, et le Conseil de l'Europe est tout à fait partant pour prêter sa coopération technique à cet effort.
À présent, l'actualité internationale. Abdelkader Ben Salah est le nouveau président par intérim en Algérie. Le Parlement l'a nommé aujourd'hui, soit une semaine après la démission de Abdelaziz Bouteflika. La rue maintient en tout cas la pression et rejette ce nom qu'elle décrit comme un pur produit du régime. Les Algériens continuent d'ailleurs de manifester en masse dans plusieurs villes du pays pour réclamer un réel changement du système. Pas de répit pour les violences en Libye. Les combats font effectivement toujours rage dans la capitale Tripoli. Des combats qui opposent les forces du maréchal Khalifa Haftar et les forces du gouvernement d'Union nationale. Plus de 40 personnes ont été tuées depuis le début des hostilités et des dizaines d'autres ont été blessées malgré les appels de la communauté internationale à un cessez-le-feu dans les plus brefs délais. Ce bruit de bottes suscite l'inquiétude de l'ONU. L'organisation craint un embrasement. Des milliers de Soudanais se sont réunis ce mardi encore devant le quartier général de l'armée, cela pour lui demander de rejoindre leur mouvement. Un rassemblement massif et inédit, émaillé par les vaines tentatives des forces de sécurité de les disperser avec du gaz lacrymogène et des tirs en l'air. Cette manifestation est un véritable tournant depuis le début de ce mouvement de contestation il y a près de 4 mois. Les violences sont reprises de plus belle en Afghanistan. Un attentat à la voiture piégée a secoué ce mardi la capitale Kaboul. Il a visé un convoi militaire, bilan 4 morts, dont 3 soldats américains. Ça s'est passé à l'extérieur de la plus grande base militaire américaine en Afghanistan. L'attaque a été immédiatement revendiquée par les talibans qui mènent d'ailleurs fréquemment des attaques similaires dans tout le pays. Retour à l'actualité nationale, c'est la semaine de l'école inclusive. Elle est organisée par l'Association des Français du Monde et l'Association des parents d'élèves Cap Maroc avec le soutien de l'ambassade de France à Rabat. L'éducation inclusive, un concept qui promeut la mixité entre enfants valides et ceux à besoins particuliers dans les établissements scolaires. Pour mettre en avant justement cette mission, cette vision plutôt, de nombreux conférenciers de haut niveau interviennent tout au long de la semaine. Sur différentes thématiques, l'idée est de cultiver au sein de l'école des valeurs comme l'entraide, le respect de l'autre et l'acceptation de la différence. Voyons tout cela dans ce reportage signé Hassan Silla et Nisril Hamdaoui. Scolariser des enfants à besoins éducatifs particuliers ne devrait plus poser de problème au XXIe siècle. La place de ces enfants qui sont juste différents est bien dans les écoles ordinaires. La mixité dans les classes dès le plus jeune âge apporte la normalité. C'est bien cela, l'esprit de l'école dite inclusive. Les enfants de maternelle n'ont aucun problème à accepter un enfant handicapé. Ils posent un peu des questions un peu directes souvent, mais pour eux c'est naturel. Il n'est pas comme moi, bon bah d'accord. Et là ça va très très bien. En maternelle, il n'y a pratiquement jamais de problème. Donc c'est vraiment en commençant très tôt que à inclure des enfants en classe, que le problème devient ne devient plus un problème. En général, ces réactions de rejet, ces réactions d'exclusion, elles reposent sur l'ignorance. On ne sait pas ce que sont les difficultés de ces enfants. On ne sait pas ce que sont leur langue, pour ceux qui ne parlent pas la même langue. Hein. Ça ne vaut pas uniquement pour les enfants handicapés. Donc, la connaissance partagée à l'école est le meilleur moyen de préparer une vie plus solidaire. Cette vie plus solidaire en société passe par un système éducatif qui accueille tous les enfants, sans discrimination aucune, avec à la clé toute une pédagogie inclusive, praticable. Ça implique évidemment une individualisation, ce qui n'exclut pas les aspects collectifs, qui restent tout à fait importants par rapport à la question du lien social, hein, et en même temps une attention individualisée aux enfants. Donc ça implique ce double aspect.
aspects, le collectif et l'individuel, et peut-être qu'en effet, au niveau des formations existantes dans les différents pays, on n'est pas toujours attentif à cette combinaison de double aspect entre le collectif et l'individuel. La prise en compte, en fait, notamment du handicap ou d'autres types de difficultés dans l'apprentissage, fait partie vraiment de l'école. C'est dans l'ADN de la République française de pouvoir hisser du mieux possible chacun à sa juste place avec les talents qui sont les siens. La mise en place effective de ce concept d'école inclusive passe aussi par la sensibilisation des parents d'élèves à l'apport de la mixité entre enfants valides et enfants à besoins particuliers. Sur le terrain, par exemple, on a organisé depuis pratiquement maintenant, c'est la troisième année, donc des rencontres parentales qui permettent déjà à ces parents de se connaître, de partager un peu leur expérience, de plus mieux cerner les problématiques. Et tout ça a évolué donc petit à petit jusqu'à arriver à une semaine où tout au long de la semaine nous allons avoir des experts qui vont nous partager un peu les expériences autres. L'inclusion des enfants à besoins éducatifs particuliers est loin d'être une embûche. L'école gagnerait à faire de cette intégration un gage de réussite et une source de richesse pour tous. Ils regagnent la mère patrie, le cœur rempli de joie et de fierté. Je vous parle des membres de l'équipe marocaine qui s'est distinguée avec brio en remportant la médaille d'or de la 27e édition des Olympiades panafricaines des mathématiques qui se sont déroulées au Cap en Afrique du Sud. Une belle consécration en dépit d'une concurrence très rude. Mohamed Elchkar. Couronné de la médaille d'or, Marwan, mathématicien junior. Un titre continental pour cet élève marocain. Nous avons participé aux Olympiades panafricaines des mathématiques 2019, organisées à Cape Town en Afrique du Sud. 12 pays étaient en compétition, dont la Tunisie et le pays hôte. Nous sommes parvenus à remporter le premier prix, récoltant une médaille d'or, 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Dans le classement féminin, Inès a décroché la médaille d'or également. Elle est désormais la reine des mathématiques africaines 2019. La compétition que nous faisons en janvier. On se préparait depuis janvier. Les encadrants nous ont beaucoup aidés. Ils assuraient des cours par Internet d'une manière régulière. En liesse, l'équipe marocaine composée de 6 élèves est fière d'avoir hissé haut le drapeau marocain. Nos champions se félicitent des efforts consentis par leurs encadrants pour atteindre l'objectif escompté. La préparation pour cette compétition était intense. Nous avons assuré un suivi à nos élèves, surtout sur les sites électroniques. De même, nous nous sommes préparés psychologiquement pour pouvoir finalement remporter cette rude compétition. Championne des Olympiades arabes de maths en 2018, l'équipe nationale prouve encore sa grande aptitude avec ce couronnement et s'apprête à participer aux compétitions au niveau mondial. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Araïssia. Quant à moi, je vous retrouve demain toujours avec grand plaisir.